Bonjour à tous, ici les Lucasfilles. Bonjour Aurélie. Ave Claire. Alors, pour préparer cet épisode, il a fallu se replonger dans les budets, dans les bouquins sur la mythologie grecque et romaine. Dans le gaffio. Dans le gaffio, voilà. Alors, j'ai pas fait de grec ancien, donc moi j'ai échappé à ça. Mais il a fallu que je me rencarde un peu sur Pindare, que j'ai toujours envie d'appeler Pintade. Hein. C'est triste pour lui. Et Échille, etc. Enfin bon, bref, vous l'aurez compris, on a revu nos classiques pour vous parler de Star Wars et de ses liens avec la mythologie grecque et romaine. On va aller se faire voir chez les Grecs. Comme ça, on aura des avant-goûts de vacances. Mais moi, j'ai moins passé de temps chez les Romains parce que, bon, les Romains, ils ont tout piqué aux Grecs, hein, comme chacun sait. Donc, on veut moins être avec... Bon, je sais pas comment le dire en grec. Moi, j'en ai fait un petit peu du grec ancien, ça vous, j'ai oublié comment on disait bonjour en grec. J'en ai fait qu'un an... Face à 17 ans de latin, je t'avoue que j'ai sorti mon Ovid plus facilement que mon Échille ou mon Homère. On va pas non plus chanter la fureur de la déesse pendant des heures, mais c'est vrai qu'il y a de quoi parler de mythologie grecque et latine éventuellement dans Star Wars. On va pas refaire tout Campbell, mais vous voyez qu'on complète petit à petit notre playlist spéciale mythologie. Donc on avait déjà évoqué des aspects de l'Inde, on a évoqué l'Égypte ancienne. On a parlé quoi d'autre aussi? Du roi Arthur et de toute sa clique. Ah mais oui, bien sûr, les légendes arthuriennes. Donc on va continuer à gentiment faire des comparatifs avec les grandes mythologies de ce monde. Je ne sais pas si un jour on va finir chez les Mayas, mais toi comme moi, on aura besoin de se rencarder sérieusement là-dessus. Oh oui. On va regarder les mystérieuses cités d'or. Surtout les petits documentaires à la fin avec la voix de Jean Topard. Ah, Jean Topard. Peut-être qu'on fait mieux que la voix de Jean Topard. Ah ouais, peut-être qu'on fera d'abord un crochet chez les Scandinaves et chez nos amis asiatiques, parce que je pense qu'avec le Tao, il y a de quoi faire aussi. Hein. Ah, mais je suis toujours prête, moi, à aller faire un tour chez nos amis asiatiques. Je sais pas. C'est pas un problème. Après, c'est vrai que tu peux parler des Mayas, parce qu'on a quand même nos pyramides du Guatemala sur Yavin 4, donc c'est vrai qu'il y aurait de quoi parler, en tout cas en architecture. Mais là, non, on va aller chez les Grecs. Alors, c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé, on en parlait souvent à propos de Rélo. On va pas parler nécessairement que de la postlogie, mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus à dire dans la postlogie sur l'évocation de certains mythes. Donc, désolé, on va encore parler de Rélo, hein, certainement. C'est un petit peu obligé. Mais c'est vrai que, comme évidemment, il y a le parcours du héros campbellien, il y a des aspects de la trilogie originelle qui se retrouvent associés avec la mythologie grecque. Tu peux faire des comparatifs avec certains personnages et les dieux ou héros de la mythologie. On peut dire aussi qu'il y a le côté intra-diégétique, extra-diégétique et la façon de raconter également qui est très très inspirée de la structure grecque. Par exemple, la structure du cœur, en sachant qu'à l'origine, c'était le projet de George Lucas, en fait, d'avoir un cœur avec son journal des Wills, bon, qui est passé à la trappe, dont il ne reste la trace que par le « il était une fois, il y a très longtemps, dans une galaxie très très lointaine, là ». Donc c'est tout ce qui reste du cœur. Mais en fait, c'était prévu d'avoir cette structure-là, d'avoir un... Bah, tu peux peut-être considérer que le résumé déroulant, l'introduction, qui s'était jamais vue dans le cinéma à l'époque. D'ailleurs, il avait des problèmes avec les syndicats britanniques du cinéma parce que ça ne se faisait pas dans... qu'il n'y ait pas de générique de début et qu'on donne... que tous les noms du staff soient rejetés à la fin du film. Donc, il avait eu pas mal de déboires avec ça pour pouvoir faire vraiment l'introduction comme il le voulait. Et finalement, on n'est pas très éloigné des chœurs du théâtre grec qui, très souvent, servent à faire les textes d'exposition et puis à assurer les transitions d'une scène à l'autre ou d'un acte à l'autre. Donc, Ah, on n'est pas loin du tout, tu as parfaitement raison. Je pense qu'effectivement, c'est une structure chorale avec le déroulant du début, oui. Tout à fait. C'est juste qu'on ne sait pas qui raconte l'histoire, mais il avait prévu à un moment, en fait, d'essayer de raccrocher les wagons avec notre galaxie à nous et peut-être voir notre époque. Je crois qu'à un moment, il avait circulé l'idée que lui, il imaginait que c'était R2-D2 qui racontait l'histoire. Il pourrait, c'est le seul qui sait tout. C'est ça, c'est le seul qui sait tout, en fait. Donc, c'est le seul, bon, à force de bip et de grossièreté en tout genre, donc ça passerait... On pourrait l'inviter dans une émission spéciale Lucasfilm, du coup, il se sentirait bien à son aise. Oui. Mais on a eu, après, on a eu à l'intérieur de l'histoire, on a eu C3PO qui s'est retrouvé à narrer aux Ewoks les aventures. Donc on a eu finalement notre aide, notre Homère de service. Ouais, notre C3PO. Ouais. Ça lui va plutôt bien parce que tu vois le côté aveugle d'Homère. Et le fait que c'est 3PO, t'as un peu l'impression des fois, il est pas trop au courant de ce qui se passe. Finalement, il est un peu obtus, un pépère, ouais, on va dire.
C'est ça. Oui, c'est vrai. Puis on peut compter sur lui pour mettre des fioritures dans le récit, comme Achille au pied des reins et machin. Et... Ah, mais il le fait, hein. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a tout ce côté un petit peu pompeux. Voilà, Léa aux beaux yeux de génisse qui regarde Han Solo, tu vois. Alors, sortir les généalogies et machin, quoi. Sans compter son passage bard dans le mariage de la princesse Leia. Oui, c'est vrai, tu vois, en plus, il y a une vieille histoire de Bard, c'est vrai que tu veux R2, et même, tu vois, le fait d'avoir R2-D2 et ces trois PO qui sont, bon, les comic relief, bon, les sidekicks, on va avoir un épisode spécial là-dessus, mais dans l'histoire, c'est aussi un héritage des Grecs, ça, c'est-à-dire la figure du parasite ou du clown qui a perduré dans notre théâtre, que ce soit chez Shakespeare ou chez Molière, d'avoir le personnage du bouffon qui fait des commentaires sur l'action ou qui vient foutre la merde dans l'action, c'est également hérité de la structure de récit grec. Bon, évidemment, si tu restes sur la trilogie originelle, on va tomber chez les Atrides avec Star Wars, parce que nos Skywalker deviennent évidemment les Atrides, puisque les Grecs aussi avaient tout inventé là-dessus. Parricide, infanticide, matricide, meurtre, matricide, inceste, bien évidemment. Ah, un classique, hein, qu'on retrouve dans la Thébaïde aussi. Hein, voilà, c'est... Et bien sûr, l'obsession pour la gémellité, parce que tu ne comptes plus les jumeaux plus ou moins fatales dans les histoires de Grecs, que ce soit Castor et Pollux, ou il y avait Hélène et sa sœur également, elle avait également une sœur jumelle. Et puis bien sûr, sans oublier, alors en fait, les jumeaux que tu pourrais sans comparer évidemment à notre Luc et Léa, qui sont Apollon. Ah pardon, Apollon, je risque moi de sortir surtout les noms latins des dieux. Hein. C'est pas grave, on fera la conversion. Non mais on fera dans les deux langues, on va se faire un petit meeting au sommet. Mais c'est vrai que bon, le problème d'Apollon, c'est que ça marche dans les deux. Alors du coup, donc Apollon et Diane, ou Apollon et Artémis si tu veux. Et c'est vrai qu'en plus, ça se pose vachement bien. C'est même bizarre qu'il ait pas pensé tout de suite à les faire en tant que jumeaux. Ouais. Parce qu'en plus, t'avais vraiment donc Luc, l'enfant soleil, hein, l'enfant solaire, parce que t'as les soleils de Tatooine, et puis son nom signifie lumière. Et Léa, la première fois qu'on la voit, c'est une chasseresse, hein, une vierge guerrière. Ouais. Et en plus, elle se retrouve rapidement associée avec la lune, qui n'est pas une lune, puisque c'est l'étoile de la mort. Mais quand même, elle est quand même associée avec la lune, hein, très rapidement. Bah, j'avais noté exactement la même chose que pour Apollon et Artémis. J'étais très très étonnée que ce soit vraiment net, enfin que la gémellité n'apparaisse que dans l'épisode 6, parce que c'est tellement clair avec le recul dès l'épisode 4. Ça se trouve, c'était un acte manqué dans l'épisode 4, et finalement, cette idée de gémellité, elle était déjà quelque part dans son subconscient. Ça fonctionne toujours aussi bien dans l'épisode 6, où Luc, même s'il est habillé tout en noir, ça reste le représentant du bien, etc. C'est lui qui se sauve de l'étoile de ce soleil, de l'étoile de la mort qui explose. Voilà, il y a cette image solaire d'explosion. Et puis, Léa, elle n'a jamais été aussi proche de la nature. Elle est vraiment proche, intégrée à un peuple de chasseurs. Cueilleurs, enfin voilà, les Iwas. Elle est représentée en mère nature, les cheveux lâchés, etc. Donc, ouais, ça fonctionne aussi dans l'épisode 6. Mais dès l'épisode 4, finalement, on aurait pu le griller. Oui, puis ils sont habillés pareil, tu vois, le fait qu'ils soient en blanc, parce que même s'il y a le côté, tu vois, encore une fois, le dieu soleil, Apollon, blond et tout, etc. Et donc, même s'ils sont jumeaux, bon, faux jumeaux, évidemment, Diane, t'aurais plus envie, ou Artémis, de l'imaginer, effectivement, brune, parce qu'elle est également souvent associée avec des rites lunaires et à la nuit, évidemment. Donc du coup, c'est plus logique de l'avoir en brune. Donc c'est vrai que le fait qu'il soit habillé pareil, mais avec ses différences, carrément, il partait plus en jumeaux. Hein. Puis en plus, l'image iconique qu'on associe à Luc, c'est quand même ce double coucher soleil à Tatooine, des soleils jumeaux hein, qui se couchent. Donc le lien avec Apollon, il se pose là quand même. Hein. Même le fait qu'il arrive chercher sa sœur sur le char solaire, d'une certaine manière, parce que là, on voit avec l'Égypte avec le faucon, donc l'œil d'Horus, c'est le soleil aussi. Même si c'est pas le sien et qu'il l'a emprunté, bon, évidemment, tu peux aller jusque-là avec cette image du char, hein, puisque Luc, c'est le pilote, donc c'est celui qui conduit un char dans le ciel. C'est pas hyper capillotracté, hein, en y réfléchissant. Non, puis il marche dans le ciel, hein, les Skywalkers, donc... Exactement, le marcheur du ciel, c'est le soleil, oui, tu peux pas faire plus littéral que ça. Encore, en plus, parce que son nom signifie la lumière,
Ouais, ouais, tout à fait. Et aussi, il est associé avec bon nombre de rites chthoniens. Donc, on a aussi beaucoup parlé de divinités chthoniennes, mm-hmm. je pense, en ce qui concerne Star Wars, plus particulièrement dans la trilogie originelle, mais on peut le trouver un peu partout, en fait. C'est assez récurrent. Et une des épreuves, des rites d'initiation d'Apollon, c'est évidemment de tuer le python, le serpent. Ça peut être pas le patoche, hein, mais c'est le fait qu'on envoie quand même Luc dans la fosse au serpent, qui est donc la grotte de Dagobah. La grotte de Dagobah, ouais. Tout à fait. L'Empire contre-attaque. Mais il a plusieurs descentes comme ça, parce que même la descente chez Jabba, c'est aussi une rencontre d'une divinité chthonienne, en rappelant que les divinités chthoniennes sont des divinités souterraines, hein, donc c'est le fait, à chaque fois qu'on doit passer sous terre pour aller voir, il y en a pas mal, hein, c'est mm-hmm. vrai que dans Star Wars, que ce soit Jabba, ou après dans Geonosis, on a aussi des passages dans des souterrains avec les insectes, évidemment, malheureusement, on en a également dans la fausse logie, avec le serpent de Passahanna, le Vexis, donc on a d'autres, et puis la créature chthonienne par excellence, oui, ça reste pas le patouche. Ah bah oui. Parce que ce soit dans son étoile de la mort, même si c'est dans le ciel, c'est quand même le noir de l'espace, il est... Il y a la notion de monde souterrain, underworld, parce que c'est l'endroit maléfique, à savoir que l'amalgame entre créature chthonienne et aspect maléfique, on le voit beaucoup dans Star Wars, mais toutes les créatures chthoniennes ne sont pas des entités maléfiques, hein, bien au contraire. Surtout quand tu vas en Asie, en Inde, c'est plus compliqué que ça, quoi. Donc là, c'est plus un regard occidental, mais pas forcément que l'aspect de la mythologie grecque, parce que finalement, tu peux faire des rencontres bénéfiques, même quand tu descends aux enfers. Orphée trouve des alliés dans les personnes d'Hadès et Perséphone, hein, donc quand même, qui se laisse attendrir par son histoire d'amour tellement touchante. On va revenir sur le mythe d'Orphée, évidemment, et sur Hadès et Perséphone, mais... Donc voilà, c'est chthonien ne veut pas forcément dire maléfique, mais dans Star Wars, c'est quand même l'optique qu'ils ont favorisée, parce que dès qu'on va dans le monde souterrain, on rencontre des créatures maléfiques. Sauf, je dirais, le Vexis, justement, le serpent de Passahanna, puisque Rey le soigne, et finalement, il y a un échange qui se fait, et une espèce de compréhension qui s'est mise en place, et donc du coup, c'est quand même le serpent qui les aide à sortir du tunnel. Donc, ce serait plus proche du Naga, par exemple, de des figures du serpent en Inde, qui sont des créatures chthoniennes associées à l'eau en plus, et qui sont considérées comme bénéfiques par les hindous. Malheureusement, tu sais que je ne vais pas faire de compliments sur l'écriture de Christelle. Ah non, je pense que ça va passer complètement au-dessus de la casquette. Voilà. C'est juste pour dire qu'on va guérir Kylo juste derrière, mais bon, voilà, c'est tout. Je ne veux pas dire qu'il y a un effort mythologique par rapport à ça, mais bon, néanmoins, il y a une reprise de ces choses-là. Et si tu veux rester sur les associations, bon, on a dit Diane et Apollon, ou Artemis et Apollon, mais il y en a plein d'autres que tu peux associer, évidemment, mais après, ça peut se discuter. Il y en avait une que je vais mentionner tout de suite, qui est un peu à part, mais j'aimerais parler d'Ahsoka, mm-hmm. avec Athéna. Oui, ah bah, la chouette, déjà. Ouais, bah, parce qu'elle a sa chouette, voilà, exactement, t'as Morai, t'as le Convor, et c'est vrai que c'est tellement évident. En plus, elle est casquée, elle est née casquée, mm-hmm. comme Athéna, parce qu'elle, c'est une Togruta, donc on a l'impression qu'elle a un casque sur la tête, et Athéna est la seule qui est née directement de Jupiter, enfin de Zeus, enfin après il y a eu... L'autre de Bacchus, quand même, ouais. Ouais, qui est sorti de la cuisse, mais il avait une mère. Tandis qu'Athéna, bon, des fois, il y a l'histoire de la mouche qui a été gobée, etc. Donc, mais en moins, c'est vraiment... c'est celle de la migraine, hein, qui est retenue. Là, une putain de céphalée. Oui, c'est ça. Ouais, c'était la mémoire qu'il avait avalée. Elle est sortie de sa tête, mais ce qui est beaucoup plus noble que sortir de la cuisse de Jupiter, si tu veux. Et bon, c'est cette déesse vierge guerrière qui, donc, est la fille à papa. Et le fait que, finalement, Ahsoka... Bah, elle a également un autre papa, finalement, qui est Vador, quoi, qui est une figure paternelle, d'une certaine manière. Donc, elle est associée avec Anakin. Mm-hmm. Elle devient vraiment un peu sa petite sœur. Mais il y a Obi-Wan aussi, dans les parages, qui est un guerrier ouais. très sage, mais plus en coulisses. C'est vraiment quand même sa relation à Anakin qui est privilégiée. Et puis, c'est vrai qu'Athéna, c'est une déesse de la guerre, mais c'est aussi la déesse de la stratégie militaire par rapport à Arès, qui est plutôt le dieu
la violence guerrière, de la brutalité. Mmh. C'est pas plutôt Darth Maul, lui. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ce sont deux aspects différents mais complémentaires de la guerre, évidemment. Et puis Athéna, c'est aussi la divinité des arts, d'une certaine manière. L'art de la guerre, tu vois, ça, c'est typiquement le genre de bouquin qu'elle aurait aimé écrire ou lire. Et c'est vrai qu'Ahsoka, au fur et à mesure qu'elle grandit, on la voit gagner en maturité. Bon, elle est toujours je fonce dans le tas à la Anakin, mais en prenant de l'âge et de l'expérience, et puis bon, bah, toutes les souffrances qui sont associées à participation à une guerre de longue durée, la perte de tes subordonnés, la perte de tes amis, etc. Il y a une forme de sagesse qui transparaît très bien dans Rebels, et puis même si on la voit pas très longtemps, dans la saison 2 du Mandalorian. Donc ouais, l'image d'Athéna, ça lui correspond assez bien. Ouais, oh bah, sa dernière incarnation, quand on la voyait à la fin de Rebels, elle était littéralement vraiment en déesse de la sagesse, mm-hmm. avec sa chouette et en blanc, avec sa canne et tout. C'est vraiment celle qui vient après, qui vient passer le relais, mm-hmm. et qui incarne la sagesse et la raison, et un guide spirituel, si tu veux. Donc c'est intéressant de la voir comme ça. Et puis elle reste quand même cette espèce de déesse vierge associée avec personne, hein, parce que quand on l'a vue dans la saison 2 du Mandalorian, elle est vraiment à part, si tu veux, et ça va assez bien avec la personnalité d'Athéna. C'est intéressant qu'il soit allé là-dessus. Après, elle va se retrouver également associée à d'autres mythes, puisque tu parlais avant de la descente aux enfers, et donc le motif de la catabase, mm-hmm. hein, catabasis, dont on va surtout beaucoup parler, je pense, aujourd'hui, hein, toi et moi, je pense que ça être le thème principal. On se le garde un peu pour plus tard, mais c'est vrai que même elle se retrouve associée avec la catabase à un moment ou un autre dans Star Wars, quoi. Et moi, je suis curieuse de voir ce que ça va donner quand elle va se trouver face à l'amiral Thrawn, parce que il ferait un Poséidon tout à fait acceptable. Il est amiral, il est bleu, il est amiral, plus âgé qu'elle, a priori, le Chiss. Il manque le trident. Ouais, voilà, il manque juste le trident. Alors certes, il est amiral d'une flotte qui est dans l'espace et qui n'est pas associée à l'eau. Les Chiss, je crois que c'est une planète assez froide, hein, dans mon souvenir. Hein. C'est l'eau sous forme de glace. Mais à voir que si on se retrouve avec les deux ennemis de toujours, Athéna et son tonton Poséidon, ça pourrait être intéressant de voir s'ils partent là-dessus, en tout cas au niveau symbolique, même inconscient, dans la série Ahsoka qu'on attend, quoi. À voir. Là, c'est intéressant de voir si vous continuez à cultiver cet aspect de la déesse, si ça va être... Bah, c'était un regret, justement, que Mandalorian ne parte pas un peu sur un motif. On en avait discuté sur la saison 2, Ulysse 31, hein, mm-hmm. donc c'est vrai qu'on aurait pu carrément partir là-dessus. Il manque une Odyssée. Et d'ailleurs, ça aussi, sur le plan de... Les Grecs avaient tout inventé, hein, c'est-à-dire, ils ont quand même inventé le spin-off. Ouais. Puisque voilà, la guerre de Troie, ça a donné l'Odyssée derrière, donc bon, et puis après les Romains qui sont repassés derrière parce qu'ils ont fait leur propre spin-off. Ils ont inventé l'adaptation avec l'Énéide. Oui, alors ça fait le multiverse après, c'est ça. Mais ça aussi, exactement. Il fallait bien justifier la fondation de Rome, hein, à un moment donné. Autant s'appuyer sur des choses qui existent déjà. Donc, enfin, Star Wars a tout piqué aux inventions des Grecs sur la manière de recycler leur mythe et leur héros d'une manière ou d'une autre. Si on reste sur des comparaisons, je pense que Sidious et Chronos, ça me semble logique. Oui. Qui bouffe ses gosses. Il dévore ses enfants. Parce qu'il a peur d'être détrôné. Ouais. Après, c'est vrai que la règle de deux chez les Sith, certes, normalement, tu t'attends à ce que l'apprenti renverse son maître, mais des fois, le maître, quand il sent que l'apprenti est un peu trop... il va dévorer son apprenti slash son enfant. Voilà, c'est... Et avec le phénomène de clonage, finalement, ces clones, ce sont ses enfants aussi, quelque part. C'est une façon dévoyée de les détruire, parce que tu crées des enveloppes corporelles qui vont être consumées par... Ton essence, ton âme, etc. Donc il y a consommation des enfants, tu vois, on n'est pas très très loin. Je pense qu'il y aurait une réflexion à mener là-dessus. C'est vrai que je l'avais pas noté, mais là ça me vient. Je pense que ça pourrait être pas mal. Bah, le fait aussi qu'ils cherchent à contrôler effectivement le temps, ou... parce que dans l'univers étendu, que ce soit dans Rebels ou même ce que tu peux en voir déjà dans la prélogie, le fait qu'ils essayent de se renseigner sur l'occulte, on sait qu'ils recherchent des holocrons, qui cherchent à acquérir un maximum de science, à contrôler la science, les connaissances des Sith et les connaissances des Jedi, et essayent de
de tout garder pour lui et de d'avoir un contrôle effectivement sur le temps et l'espace, puisque dans la question du monde entre les mondes qu'on voit dans Star Wars Rebels, il essaye d'avoir cette information pour pouvoir pouvoir revenir en arrière et donc avoir le contrôle absolu sur le temps et l'espace autour de lui. Et c'est vrai que par ce côté magicien, magie noire, etc., il fait penser plus à des figures féminines comme Circé, par exemple, des figures de sorcières qui pratiquent des magies contre nature. En général, ça leur pète à la gueule à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est pour ça que ça aurait été intéressant que Snoke soit une femme, parce qu'on aurait très bien pu partir sur ces figures de Circé, etc. Ça aurait pu le faire d'avoir Snoke en méchante. Face à lui, il faut d'autres titans ou des héros. Tu vois, Anakin, limite, je le verrais plus en Achille, dans le fait qu'il contrôle pas ses passions et sa colère. Mm-hmm. Il a un talon d'Achille également. C'est pas... Enfin, pour ce qui lui reste, hein, parce que comme tout est dégommé... Mais... Bah, excuse-moi, hein, mais c'est... voilà. Là, il se serait plus en Siegfried, tu vois, avec la feuille dans le dos, mais on en reparlera quand on fera les Germains et les Scandinaves. Ouais, voilà, sur les mythes germaniques. Je m'en réjouis d'avance. Pas vraiment ma tasse de thé, cette partie-là, mais enfin, bon, ah, on en a un petit peu parlé quand on avait Wagner. Parlé de... Wagner, ah, oui, quand on avait fait ouais, Percival. Voilà. Et puis, bah, Han Solo et Hermès. Ouais, Han Solo et Hermès, tu vois, le messager. Hermès, t'as l'impression qu'il fait des courses pour les uns et les autres, mais il est à la cool, en fait, hein, et globalement... Il passe les messages. Ah, mais... ouais. C'est un peu un trickster aussi. Ouais. C'est un peu un filou, Hermès, souvent. Mais il est moins... Par exemple, dans la guerre de Troie, il va pas s'engager du côté soit des Achéens, soit des Troyens, si tu veux. Il va avoir des prises de position qui sont moins nettes. Quand tu regardes dans les métamorphoses d'Ovide, etc., il est quand même... pas responsable de métamorphose par vengeance ou par... C'est pas ce genre-là, c'est encore autre chose, Hermès. C'est un petit filou, donc c'est pour ça quoi, qu'avec Anne, ça le fait. Parce qu'il est le messager des dieux, mais il est un petit peu à part aussi, quelque part. Il se préserve mieux que les autres. C'est un personnage tout à fait fascinant aussi. Hein. En ressoulignant qu'on ne dit pas que c'est le même personnage, mais les dieux représentent un certain nombre d'archétypes que tu retrouves chez les héros et que tu peux retrouver dans beaucoup d'autres histoires ou mythe, donc c'est pour ça qu'on est en train de parler de tropes et d'archétypes. Bah, hein, jusque chez Jung, ça, d'ailleurs, voilà. Hein, de toute façon, oui, voilà. Sur les mêmes grilles hein, de lecture. Mm-hmm. Exactement. C'est plus la grille de lecture que de dire que c'est exactement la même chose, ouais, tout à fait. Ouais, Solo, tu vois, moi, j'ai justement aussi un regret par rapport au fait qu'on a eu son... Bah, à un moment ou un autre, il faudra qu'on fasse épisode dessus, mais par rapport à son film de jeunesse. Moi, j'ai Solo, c'est un petit peu l'Odyssée inachevée, parce que lui aussi, on aurait pu très bien... Parce qu'il y a ça en germe dans le film, le fait de qu'il aille sur plusieurs planètes et qu'il se retrouve face à des monstres et des divinités chtoniennes également. Ah bah là, soit les dix proxima, oui, le run de Kessel avec l'espèce de saloperie sur du trou noir, Carib et Scylla ne sont pas très loin. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que souvent, lui est associé à des choses qui sont dans les grands voyageurs de l'Ogie, parce que Carib et Scylla, t'en as plusieurs, soit Jason ou évidemment Ulysse. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que tous les passages dans les astéroïdes, c'est évident que tu pourrais avoir ces allusions à l'Odyssée, parce que dans quel autre récit tu peux te retrouver écrabouillé dans un rocher ou avoir des monstres marins qui du coup sont pas des monstres marins mais des monstres de l'espace là comme dans l'Empire contre-attaque où ils se font gober par cette créature qui vit dans les astéroïdes. Bon, tu transposes l'espace de la galaxie lointaine à la Méditerranée et ça fonctionne très très bien, la mer Méditerranée qui est quand même une mer extrêmement traîtresse, très piégeuse, c'est pour ça qu'elle a tellement alimenté les mythes et légendes, pas que des Grecs, hein. Si on va chez les Phéniciens, c'est pareil. Dans la culture minoenne, c'est pareil. Les Égyptiens, quand ils s'aventuraient, eux, c'était surtout le Nil, mais quand ils s'aventuraient en mer, c'était quand même une mer extrêmement traîtresse. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Hein, donc, ça fonctionne bien. J'y pense plus tard, effectivement, de parallèle à faire entre Ulysse et Han Solo, effectivement, aussi, parce que, bon, il a eu une femme et un fils. Alors, Télémaque n'a pas tué son père. Non, mais tu vois, et même le fait qu'il ait rencontré des sirènes, enfin des sirènes, des enchanteresses avant, du coup, parce que oui, certes, il y avait des sirènes sur sa route, mais si tu penses aux femmes d'Han Solo, telles qu'on peut les avoir dans l'univers étendu, que ce soit Kira, qui est quand même une Circé, un potentiel de Circé de ouf, hein, parce que c'est vraiment la femme fatale qui n'est pas si méchante que ça, ou une Calypso, si plutôt tu veux. Une Calypso, et puis, ouais, il y avait aussi une autre femme avant.
avant, il y avait Sana, je crois, qui était la première épouse, entre guillemets, puisque c'était un arrangement, c'était un faux mariage pour des raisons d'embrouilles et d'arnaques diverses et variées. Mais voilà, il y a eu d'autres femmes sur la route de Han Solo avant, et ça va assez bien avec ce profil d'Han Ulis filou, à qui il arrive quand même beaucoup d'embrouilles et d'emmerdes, et qu'on veut sa tête. Bon, alors, c'est Jabba Poséidon, tu vois, j'irai pas jusque-là, mais bon, voilà, il y a quand même sa tête qui est mise à prix par les dieux, notre Ulis, et c'est la un peu tout le problème de Han Solo dans la trilogie originale. Ah bah c'est la fuite en avant parce que il a quand même tous les chasseurs de primes au cul. C'est ça, il est pourchassé. Mais je te dirais que ça peut être aussi Jason ou Thésée dans le sens où t'as quand même beaucoup, beaucoup de femmes magiciennes qui aident un héros à faire quelque chose de grandiose et qui se font larguer sur une île comme des merdes. Ah ouais. Bon, mais alors, tu vois, justement, dans le cas d'Ariane, moi, c'est très bien ce qui lui est arrivé, parce que finalement, c'était un gros loser. Vous savez comment ça s'est passé après pour oui, lui. Oui, Thésée, il a mal fait. Ouais, voilà, quand on voit après comment ça s'est passé, gros drame en perspective, et ben, elle s'est mieux retrouvée avec Bacchus. Moi, je suis contente que Dionysos soit allé chercher Ariane. Moi, elle a eu une vie de fête et de festivité après, tu ouais, vois, bah parce que franchement, Aminos, à l'époque, c'était pas trop la fête, quoi. Elle s'en est mieux sortie que Médée, hein, c'est sûr. Dans l'Énéide, t'as Didon aussi, la reine de Carthage, qui se fait larguer. Elle est pas magicienne à la base, mais... Avec Bacchus, en sachant que... Alors, c'est une anecdote que j'ai trouvée amusante pendant que je recherchais un peu en préparation. Et bon, alors, c'est toujours amusant, les conséquences de... Enfin, les fans de Star Wars qui peuvent faire, pour te dire qu'il y en a plein qui voient bien le parallèle mythologique. Chaque année, il y a une fête qui s'appelle la Chewbacchus, qui est... où des gens conjuguent à la fois leur amour pour les bacchanales avec leur amour de Star Wars. Les Chewbacal, donc. Ah, je signe. J'adore le concept. Tu vois, on signe. Bah, c'est un peu logique parce que tu as tous les trucs festifs. T'as l'impression que ça vient de chez les Ewoks en même temps, parce que c'est pareil. Le jour de la vie, c'est associé avec les. Ah non, pas avec les Ewoks. Qu'est-ce que je raconte ? Tous les trucs festifs. Mais si on remarque avec les Ewoks aussi, parce qu'ils font la teuf sur Endor. Ouais, mais bon, avec les Wookiees ou avec les Ewoks. Faut être poilu pour faire la fête. Faut être Chewbacca pour faire la fête, parce que même les Lanais, elle l'avait invité à la sangria. La scène qui a été coupée dans l'épisode 8, il était en train de boire son punch quand Rey elle arrive avec Perdi Planeur Chewbacca. C'est ça, c'est Parti Planeur. C'est le mec qui fait tourner les serviettes et tout. Et ouais, non, c'est lui qui chauffe l'ambiance. En fait. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Allez, déjà, il fait le barbecue, ça en avait repéré. Oh, mais... C'est génial. Ça lui va tellement bien. Du coup, on est parti dans tous les sens, hein, évidemment. Non, bah, comme d'habitude. Bah, en même temps, un peu comme les Grecs, hein, quand tu parles dans leur... Il y a tellement de sources. Alors, c'est marrant parce que pour certains mythes, t'as une seule source, parfois tardive, comme Ovid. Et puis, pour d'autres mythes, t'as 1000 sources qui sont pas forcément toujours cohérentes, bien sûr. Pour rester dans la trilogie d'origine, je pense que c'est celle qui cale le mieux sur le héros, en fait. Le héros, genre Hercule, le modèle absolu du héros. Ça colle bien avec Luc, qui se retrouve avec des tâches difficiles à accomplir. Alors, en sachant qu'en plus, les héros, au sens grec du terme, c'est évidemment, ça veut dire fort, vigoureux. Mais la contrepartie, c'est que leurs âmes sont chargées d'une redoutable puissance magique. Et la force et le potentiel pour le côté obscur. Donc, c'est ça qui fait que ce sont des demi-dieux aussi. Hein. C'est lié à leur nature mixte. Ah bah oui, tu peux souligner tout de suite que aussi les Grecs avaient inventé l'idée que le héros, forcément, sa vie va être fuckée. C'est-à-dire que tu peux pas être un héros sans avoir des emmerdes. Donc, c'est vrai que tous nos héros sont tragiques dans la mythologie grecque. Hein, t'en sors pas. Parce que chaque fois que tu penses que t'as un happy end, en fait, tu découvres un peu plus tard qu'une histoire te racontait qu'après le joli petit couple que t'avais vu à la fin, et ben soit t'avais les gamins qui se faisaient buter, soit finalement, tu vois, même Hercule, tu penses qu'il fait une fin heureuse, mais que nenni, car il finira par tromper sa femme qui se vengera de lui en le condamnant à des souffrances infinies qu'il ne pourra se débarrasser qu'en se jetant dans le feu. Bon, pour tous ceux qui sont justement fans du Hercule de Disney, Mégara et Hercule ne vécurent pas heureux, ils ont beaucoup d'enfants. C'est elle qui lui met une peau de bête, voilà. Qui le brûle, qui le dévore, c'est ça, hein. Ouais, de Nessus, ouais, ouais. La tunique de Nessus, tout à fait. Qui le crame, c'est une souffrance. Qu'on possible. Voyait rapidement, hein, finalement, le centaure, parce que c'est lui qui se balade avec une bite sur le front quand il se fait... quand il essaye justement
avant d'embarquer la donzelle qui ne veut pas être une demoiselle en détresse. Mais on aura l'occasion d'en reparler de Hercule par rapport, je pense, plutôt à la postlogie, parce qu'il y avait, des jolis parallèles qui avaient été faits avec ça, et je pense qu'on va pouvoir en parler, mais avec une inversion. Mais c'est vrai que, oui, t'as pas de happy end pour les héros. Tu vois, il y a une exception, enfin, ça dépend des versions, mais justement, j'étais surprise de voir que Oreste, ouais, finalement, dans certaines versions, a eu un happy end. Oui. <C'est>... Après avoir payé... Le parce seul que moi, atride qui s'en sort, tu sais. Exactement, parce que poursuivi par les voix de la vengeance, les Rénies et les machins qui le harcelaient, tu te dis, oh Kylo, je te vois. Je te vois avec les voix qui te rendent fou. Tu as tellement morflé, ça, avec les visions, les voix qui viennent te harceler, la folie, etc. Et bon, il s'en sort, mais dans d'autres versions, parce qu'il finit par devenir un roi après avoir payé sa dette, il revient finalement prendre le trône et est un bon roi. Dans d'autres versions, j'ai vu quand même que même en ayant fait ça, il se fait quand même piquer, enfin mordre par un serpent et il crève tout de même, donc c'est quand même dommage de ne pas en remettre une couche. Mais voilà, les Grecs aussi inventaient les fins dégueulasses pour tes héros. Donc, il faut le souligner aussi. On ne les remercie pas. Charles Saule, quand il avait été invité par What the Force pour discuter de son travail sur l'ascension de Kylo Ren, mais de ce qu'on avait pu voir aussi sur Vador, il insistait lourdement sur le fait que pour lui, les Skywalker, c'était une tragédie grecque. Bon, ce qui pose problème à évidemment plein de gens, parce que c'était pas nécessairement complètement livré comme ça, qu'on partait quand même plus sur des contes. Enfin, ça se discute, on peut discuter de plein de choses. Mais on t'a vendu quand même pour des histoires pour enfants, plus que comme une tragédie grecque. Mm-hmm. Eux, ils sont vraiment partis sur les Atrides à un moment. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a un choix de ça. Et donc, il insistait sur le fait que pour lui, ce qu'on venait de dire avant, c'est-à-dire le héros devait forcément être chargé du poids de ses ancêtres, du péché des autres, et donc devait expier et payer cher la distinction d'avoir été choisi par les dieux alors qu'il n'avait rien demandé. Voilà. Choisi par les dieux, ça sent le sapin dans la mythologie. C'est ça. Et donc choisi par la force, qui est quand même une saloperie. C'est vrai que tu as quand même le truc entre la force et les dieux bâtards, parce que Dieu sait si les dieux dans la mythologie grecque sont des bâtards dans tous les sens du terme. Et même le fait d'avoir fait dans la prélogie ce conseil des Jedi te fait penser à tous ces péplums, tous ces films mythologiques où tu vois le moment ou un autre, le conseil des dieux qui sont là en cercle, là, sur leur fauteuil et leur truc en train de discuter et de faire chier, quoi, généralement. Le choc des titans, foutre la merde. Exactement, j'ai cette vision-là du choc des titans, divers et variés, parce qu'il y a plusieurs adaptations. Et tu te dis, putain, c'est le conseil Jedi, en fait, tout simplement. T'es pas des gros connards. Alors, sauf que, contrairement aux Jedi, ils sont l'objet de passions qui, pour le coup, nous paraissent très, très humaines. Par contre, ils n'ont aucune empathie pour... Enfin, une considération pour la vie humaine. En fait, ils en ont rien à foutre. C'est un espèce de détachement qui au moins ne prend pas l'apparence d'une compassion universaliste gna 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 de mes couilles là, mais qui est juste bah, on est des dieux, on est au-dessus de ça, c'est comme un entomologiste qui observe des fourmis, ça veut pas dire qu'il a de l'empathie pour les fourmis, il les étudie, tu vois, c'est juste ça. Et quand tu les vois foutre la merde à trois, enfin franchement, les gentils, les méchants, au bout d'un moment on sait plus qui est qui là-dedans, parce que de toute façon tout le monde prend cher. Tu te dis, en fait, les dieux, occupez-vous de vos miches. Laissez ces pauvres... Comme la guerre des clones, hein, c'est littéral. La guerre des clones, c'est la transposition de la guerre de Troie. Hein, ça. Il n'y a pas d'Hélène tellement, tu peux dire pas de Mée d'une certaine manière, mais ce n'est pas l'enjeu de la guerre. Mais c'est quand même elle qui ouvre la guerre des clones, puisque c'est quand même son histoire et son arc qui ouvre cette question de la guerre des clones. C'est la reine qui va foutre la merde d'une certaine manière. En résistant. Même si ce n'est pas de sa ouais, faute. En résistant, en protégeant son peuple. C'est... Oui, c'est ça. C'est l'excuse à la guerre. Donc c'est la belle Hélène, hein, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, s'il y a bien des références aux tragédies grecques, dans la prélo, c'est tellement net, parce que alors, pour le coup, c'est vraiment construit comme ça, puisqu'on sait de toute façon que Anakin, ça va être une descente aux enfers pour lui, que ça va être la chute, etc. Là, t'as quand même énormément de références aux tragédies grecques. Il y a les Atrides, évidemment, la famille maudite, voilà, c'est... Avec des origines divines, hello, Anakin, engendré par la force, il a même pas de papa, c'est comme si Jupiter avait engrossé Shmi, quoi.
Avec sa pluie d'or. C'est ça, où on se transforme en cygne. Le taureau, on y reviendra plus tard, mais voilà. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que la faute principale des Atrides, c'est l'hubris, vraiment le terme grec. Et c'est un terme qui revient plusieurs fois, en particulier dans la postlogie, et qui s'applique complètement à Anakin, parce qu'à un moment donné, c'est son amour obsessionnel pour Padmé et son hubris, sa soif de pouvoir, qui fait qu'il va complètement dérailler. Et ça, ça correspond bien quand même aux Atrides. Tous, hein, plus ou moins, hein, que ce soit les hommes, les femmes, les pièces rapportées, je pense notamment, j'ai oublié son nom, l'amant de Clytemnestre, voilà, c'est... Égiste, non ? Oui, c'est ça, c'est Égiste. Après, le fait que toute la prélogie baigne quand même dans une ambiance péplum, mm-hmm. hein, t'as quand même beaucoup de moments où on a, que ce soit... La course de chat dans le 1, dans le 2, on a les gladiateurs, voilà, plus on a dit le début de la guerre des clones, qui fait penser à la guerre de Troie. Tu les vois embarquer dans des gros bateaux comme les Achéens qui quittent les côtes de l'Attique, bon, pour se diriger vers Troie, pour le siège de Troie. Avec les Myrmidons. et puis le fait qu'on ait un final sur fond d'Etna, parce qu'en plus, ils avaient utilisé des images de l'Etna pour l'ambiance Mustapha. C'est vrai qu'on est dans la forge d'Héphaïstos, là. En plus, il se fait rafistoler avec du fer à la fin. Donc t'as vraiment cette ambiance-là, quoi. Il y avait un parti pris mythologique évident, en tout cas gréco-romain, par George Lucas, qui est évident sur la prélogie, ouais. Bah, surtout que tu as aussi toutes les allusions à Œdipe, en fait, aux pièces thébaines de Sophocle, puisqu'on a ce fameux complexe d'Œdipe, hein, Anakin qui tombe amoureux illico presto d'une jeune femme qui ressemble énormément à sa mère, qui est plus âgée que lui, qui est une reine, etc. Enfin bon, on a vraiment complexe d'Œdipe. Il épouse sa mère, hein, c'est Œdipe qui épouse Jocaste. Il tue pas son père, lui. Enfin, il en a pas. Il essaie de tuer l'image paternelle / fraternelle qui est Obi-Wan. Il n'y parvient pas, contrairement à Œdipe. Et en plus, il le fait en connaissance de cause, ce qui n'est pas le cas d'Œdipe, évidemment, hein, puisque lui, il a tué son vrai père sans le savoir. Non, mais il fait un infanticide, oui, ce sont pas ses enfants d'une manière si, parce que quand il manque, qu'il essaye de tuer sa femme, hein, il tue l'enfant dans son sein aussi, hein, donc d'une certaine manière, il y a un début d'infanticide, enfin, il y a une possibilité d'infanticide dans son geste à la fin aussi. Hein. Il a tué des enfants juste avant, de toute façon. Et déjà, dans l'épisode 2, il a tué des enfants, mais en fait ça va crescendo, parce que dans l'épisode 2 c'était des enfants qu'il associait à des bêtes, puisque c'était des enfants toscans qu'il a eu un problème moral à les massacrer. Mais dans l'épisode 3 il va tuer tous les petits younglings, tous les petits futurs Jedi, et à la fin il a failli tuer ses propres enfants. Donc dans l'horreur par rapport au meurtre d'enfants, par rapport à notre personnage, ça va crescendo dans les tabous qui sautent les uns après les autres. D'abord une autre espèce que je considère comme des animaux. Ensuite, des enfants, certains sont de mon espèce, d'autres non, mais ils appartiennent plus largement à ma famille des Jedi, donc c'est ma famille. Et dernier cran, c'est mes enfants biologiques, la chair de ma chair, que j'ai failli assassiner dans le ventre de leur mère. Donc il y a une progression dans les tabous, en fait, le fait qu'il y a des tabous qui tombent, on transgresse de plus en plus, et ça aussi c'est typique de la mythologie grecque, c'est que t'as des transgressions dans tous les sens. T'as évoqué l'inceste, il y a... À peur de rien, les Grecs. Des unions contre nature, interespèces... Sacrifice de tes enfants... Oh là là. Cannibalisme. Il y a vraiment tout, en fait. Hein, et... C'est la boutique des horreurs, hein, ça n'arrête pas. Mais il porte beaucoup sur ses épaules, Anakin, parce que déjà, bon, on l'avait déjà dit, mais on le redit si c'est l'occasion, son nom est vaguement dérivé du grec Ananke, le destin. Donc déjà, il y a aussi cette trace-là. Et c'est vrai que, bon, tu disais par rapport à... C'était sur Œdipe, mais bon, j'avais mentionné avant, tu pouvais aussi penser à Achille, oui, avec sa colère et ses relations avec... Avec bon, Patroc. Pas ça, ouais, non plus, c'est... voilà, ben, c'est ça, voilà, exactement. Frère homo-féfuel, hein, voilà, bon, avec Obi-Wan, c'est pas simple non plus, mais en même temps, ça peut être aussi le moment de la rencontre, quand il y a le final, tu peux penser à Achille contre Hector, dans leur grand duel. Tu peux aussi penser avec lui au mythe de Persée, puisque il a été, comme tu l'as rappelé, fécondé mystérieusement comme Persée, c'est l'enfant choisi qui, à un moment, libérait une belle princesse d'un
un monstre. Donc il y a Trasla de qui est aussi présente finalement dans la scène où elle est, où t'as quand même visuellement Padmé est attachée. Bon, elle s'est défaite toute seule, hein, donc c'est une Andromède 2.0 mais néanmoins elle est dans cette position d'être attachée au rocher livré à la bête. C'est complètement Andromède livrée le Kraken livrée à la bête. Bon, exactement, au Kraken, ouais. La Vierge martyre, la Vierge livrée au Kraken, ouais, complètement. Est-ce qu'il affronte, il affronte finalement des titans? Parce que les animaux qui sont dans l'arène, ça peut être les lions qui viennent ou les tigres qui viennent dévorer les chrétiens, voilà, parce qu'il y avait aussi ce rappel-là. Mais dans un contexte gréco-romain, ce sont les titans, les créatures qui viennent dévorer les humains qui leur sont offerts en sacrifice, là. Donc c'est comme si on avait plusieurs gorgones, la Kraken, la Méduse, machin, qui défient. Et comme tous ces héros, ouais, il avait rien demandé. Ah quoi, non, ça lui tombe sur le coin de la gueule, c'est... On choisit pas ses parents, et on choisit pas le sa prix famille. Fort, c'est ça, c'est. Et ils payent le prix fort, les fautes de des autres. Des royaumes, des dieux, des deux. Enfin, ouais, voilà. Le héros, c'est la version upgradée du sacrifice, en fait. Hein. Bah, puis il a été aussi beaucoup poursuivi par les Hérinis, lui, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans sa tête aussi. Hein, parce que le fait qu'il ait ses visions, et là aussi, on a aussi tout le trope de la vision et du problème d'interprétation des visions et de la malédiction que c'est d'avoir des prophéties dans Star Wars, puisque les prophéties ne sont jamais bien comprises. Alors, on sait qu'heureusement, ils ont gardé la prophétie du choisi, la prophétie aussi cryptique que n'importe quel quatrain de Nostradamus. Ou que la pitié de Delphes n'aurait absolument pas renié, voilà, c'est sûr. Non, c'est tu y as à boire et à manger là-dedans. On les voit dans les bouquins, ça sort régulièrement, notamment dans Maître et Apprenti, ils en avaient remis une couche. Alors, heureusement, ils ne l'ont pas utilisé dans les films, parce que là, on n'était pas préparé psychologiquement, je pense, à gérer ça. Déjà qu'on avait une Immaculée Conception. On s'en est toujours parmi, si tu veux. Non, on s'en est parmi, mais ils ont eu envie plein de fois parce qu'on avait quand même un oracle qui était prévu dans l'ascension de Skywalker. Donc on avait rebelote avec encore un oracle, une prophétie, et on sait à quel point ça se passe jamais bien. Je te dirais que le don de vision que donne la force, d'entrée de jeu, quand Luke a ses premières visions pendant son entraînement avec Yoda, c'est difficile d'interpréter ce que la force te donne sur l'avenir, parce que l'avenir est toujours en mouvement, et en plus la force les voit impénétrables, hein, très souvent quand même. Comme les Skywalkers. Sont impénétrables. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est presque la force d'oracle, finalement. Comme les visions que tu as dans les nexus du côté obscur, c'est-à-dire que les visions que tu vas avoir, le résultat dépend beaucoup de ton interprétation, comme de n'importe quel oracle. Donc peut-être que les oracles, on les a quand même de façon détournée dans la force. Ça fait partie des actions de la force, de même que les dieux accordaient des visions à ceux qui servaient d'intermédiaires, comme la pitié, mais c'était pas la seule, pour donner des messages aux mortels, en fait. Donc là ce serait un petit peu pareil, finalement. Ah oui, je suis complètement d'accord, c'est tout à fait ça, effectivement, et on voit à quel point c'est impossible de les interpréter. Hein. C'était laissé en germe dans Le Dernier Jedi, puisqu'on ne sait pas ce qu'ils ont vu. Donc là, en plus, nous, il faudrait qu'on interprète quelque chose qu'on n'a pas vu, qui nous est vaguement raconté. Donc ça te montre bien comment c'est compliqué. Oui, y a sans arrêt cette notion de vision, et tu ne peux pas les comprendre. Et de toute façon, même si on les avait, enfin, ça va foutre le bordel, parce que comme Cassandre qui racontait la guerre, va avoir lieu, tais-toi connasse. Et c'est un peu c'est un pareil, peu notre Luke de l'épisode 8, parce qu'il a été échaudé par les visions qu'il a eues, etc. Il sait très bien que quand t'as des visions, ça va partir en couille, et quoi que tu fasses, que ce soit pour les contrer ou faire qu'elles s'accomplissent, ça va pas se passer comme tu l'imagines. C'est exactement ce qu'il dit à Rey, et elle ne le prend pas au sérieux. Cassandre, je te vois. Comme quoi, faut pas essayer de blouser les dieux, hein. Et là, c'est là qu'Apollon, ça a été un gros bâtard. Apollon, quand même, c'est souvent un bâtard, hein. Il est beau, il est blond, il sent bon le sable chaud, mais c'est un gros bâtard. Il fait beaucoup de crasse. Luke Skywalker, si tu nous écoutes, tu es un gros bâtard. Donc, comme il est modelé quand même dessus, c'est embêtant. Tu vas fâcher des gens, là. Oh, bon, on a l'habitude maintenant, hein. On s'en fout, hein. Toujours, c'est toujours d'actualité, le fait qu'on s'en foute, quoi. C'est pour ça que c'est finalement pas trop déconnant qu'il soit un papy gâteux, mécontent. Grincheux, ouais. Aigri, ouais.
L'entraîneur qui veut pas entraîner, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Hercule de Disney. C'est le mentor récalcitrant, ça pareil, on en croise dans les mythes grecs en fait. Hein. C'est où il faut vraiment que le héros, l'aspirant héros, fasse ses preuves pour que le maître accepte de le former. Mais je te dirais qu'on retrouve ça dans toutes les mythologies. En Asie, c'est très net aussi. Oui. Jusque dans les films de Kung Fu des années 60. Où, voilà, c'est... Il a un côté un peu Diogène dans son tonneau aussi, Luc. Dans le dernier Jedi, c'est-à-dire quand Rey arrive, j'aurais très bien vu en mode tire-toi de mon soleil, tu me déranges. Laisse-moi sur mon tas de fange, porte de la ville. Bah, c'est ça, c'est-à-dire il s'est mis dans son tonneau pour être loin de tout, pour pouvoir méditer sur la vanité de la vie humaine et de la force. Tu vois, coupé du monde, et puis t'en as une qui arrive et dit ah ben non, faudrait que tu reprennes du service et tout. Tire-toi de mon soleil. Il est beaucoup plus clean que Diogène. Sa case, elle est nickel, oui. Mais c'est peut-être grâce au grenouille. Bonne sœur. C'est les lanais. C'est les lanais qui passent derrière pour nettoyer. Il n'avait pas de domesticité, dit Eugène, quand même. Sur son tas de fumier. Et moins l'eau courante. Sur Acto, t'as l'eau courante, quand même. Puis il n'y avait pas non plus son lait bleu, son lait vert, d'ailleurs, à côté. Mais il y a un côté un peu Diogène, ouais, dans ce... Bah, tu vois, philosophe revenu. Le véritable esprit libre jusqu'au bout, alors que bah, là, pour le coup, Luke, il est prisonnier de ses fantômes, hein, comme tous les héros en fin de vie. Obi-Wan, c'était pas un mentor récalcitrant, c'était un mentor absent. Oui. Ouais, il avait bien envie, lui, une fois que Luke lui avait vaguement mis la main dessus, enfin qu'ils se sont rencontrés par un incident Tusken, ça lui posait pas de problème de le former. Bah, surtout avec la demande de Leia, l'appel à l'aventure, où là, bah, il pouvait plus se cacher, il avait compris que Luke ne pouvait plus se cacher non plus, il fallait y aller, quoi. Tu peux pas échapper à ton destin, tu disais Anakin, c'est la destinée, c'est la fatalité aussi, donc c'est-à-dire que c'est Ananke, c'est la destinée néfaste, c'est pas la destinée genre j'ai une grande destinée devant moi, mais tu peux envisager un PNC, c'est la fatalité que de toute façon, ton destin va s'accomplir, et tu vas prendre cher. Ah, mais la fatalité chez les Grecs, c'est ça. Je veux dire, t'as aucune grande destinée sans drame à la fin. Ah ouais, tragédie, c'était leur cam, hein, clairement. Bon, les Romains étaient pas mieux, mais... maintenant, on peut dire que les Skywalker aussi. Ah ouais, peut-être une exception, finalement, qui serait justement le mythe de Psyché, tu vois. Ah bah, c'est vraiment... Là, ouais, ça et Hadès, c'est les seules exceptions, je dirais. Ouais, tu vois, effectivement, il y a ces deux histoires romantiques par excellence qui sont... fondatrice de Rello qui s'en est plus et voilà qui aurait pu être plus porteuse d'espoir, ouais. En fait ils ont viré Orphée et Eurydice juste sur la dernière ligne droite là à 2 mètres du bol de sangria comme tu dis si bien. C'est dommage, ouais, ils sont craqués, ouais, ou de la bouteille de Redziné, tu vois, à 2 mètres. Mais je crois qu'on peut justement virer sur la poste. Bah, c'est ce que j'allais te proposer justement. Ça tombe très bien. Alors, allons faire un petit coup de catabase avec nos amis Rello. Non, mais du coup, on va raccrocher les wagons aussi avec les autres parce que. Alors, la catabase, mais qu'est-ce que c'est pour épater tes amis en société si tu en as encore sur Zoom? Et gagner parce au que Scrabble. Tu peux plus les voir en vrai. alors, oui, il faut savoir, tu veux l'écrire sur son acception grecque ou son acception. Ah, bah, case un K, si tu peux mettre le K à 10 points sur une lettre contrible, vas-y. Case le cas, avec la catabase, oui. Alors, donc, c'est l'idée de faire une descente aux enfers, mais de son plein gré. Hein. Donc, c'est le moment où les héros doivent passer par un passage aux enfers pour aller chercher un objet magique ou pour aller poser une question directement à Hadès et Perséphone ou pour aller rechercher quelqu'un. Donc, voilà. Donc, c'est l'idée de cette descente librement consentie, hein, qu'on soit clair. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce terme-là, il a été repris par... En psychologie moderne, catabase, c'est la dépression du jeune homme. Donc c'était un phénomène qui a été observé chez plein de jeunes hommes qui étaient justement en manque de rôle, en manque de référence masculine et paternelle. Ah. Donc c'est un terme complètement moderne et tellement Kylo. et donc finalement, tu pourrais dire que pratiquement, je dirais que tout Star Wars pourrait être vu comme construit autour de, en tout cas la question des Skywalker, c'est clair, comme une interprétation de la catabase, c'est-à-dire en intra et en extra-diégétique, c'est-à-dire la dépression du jeune homme, ou la dépression de l'homme, qu'il soit fan toxique ou pas, si tu veux, et de sa perte de repère face à des modèles
modèle masculin compliqué. On renvoie la masculinité dans Star Wars. Par exemple. Ou hashtag je suis Kylo pour la dépression. Ou hashtag je suis Kylo. Ouais, tout à fait. Mais bon, ça sent le pâté, on le dit tout de suite. Ah bah oui. Donc justement, malheureusement, ça n'a pas rempli son rôle d'intérêt général, enfin de peut-être de nous fournir un modèle positif pour ces messieurs qui... Mais c'est intéressant, si tu veux, que ce terme soit devenu ça, c'est-à-dire cette descente aux enfers. Parce qu'elle n'est pas librement consentie chez le jeune homme qui est en DEP, si bah tu non, veux. Elle est justement... subie, elle n'est pas recherchée exactement. Parce qu'il y a un motif ultérieur, supérieur. Ah bah, on le voit tout à fait dans le personnage de Kylo Ren, c'est l'incarnation de la catabase. Hein, vraiment de la victime. Lui, vraiment une victime, le héros victime, ouais. Quoi. Et donc cette catabase, elle apparaît dans chacun des trilogies, dans chacune des trilogies en fait. Mm. C'est pas toujours la même personne et du coup ça fait pas tout à fait référence exactement à la même histoire puisque font des catabases pratiquement tous les héros et les héroïnes de mythologie grecque. Alors, tu peux en héroïne, tu penses à Psyché, évidemment. Après pour les héros, ben moi ils sont tous obligés à un moment ou à un autre d'aller voir Hadès ou Pluton. Hein, c'est un petit peu passage obligé. Et bon, Orphée, évidemment. Alors, dans la prélogie, tu as Padmé, la fin, qui essaye de récupérer donc, son fiancé qui est aux enfers, hein, on peut le dire, hein, parce que c'est vraiment l'incarnation de ça, Mustapha. Et puis, il est en pleine dep, et puis ça va pas, puis il fait des bêtises, et il est en train de se perdre lui-même, et l'homme de bien, l'Anakin qu'elle aime, il est en train de crever, donc elle essaye d'aller le récupérer. Mission suicide, hein, puisque du coup, c'est raté, ça ne marche pas. Elle ne sauvera pas des enfers son chéri. Ce qui est très rare, mais parce que c'est pas un parcours d'héroïne. On aurait été sur un parcours d'héroïne, elle aurait pu le ramener. Parce que très souvent, quand on est dans la configuration recherche du mari ou du fiancé perdu, l'héroïne, après un certain nombre d'épreuves, obtient une victoire. Alors que quand c'est un homme qui recherche sa fiancée ou sa femme disparue, il est toujours, ça se solde toujours par une tragédie. Toujours. Mais là, comme c'était le parcours d'Anakin et pas celui de Padmé, finalement, cette descente que Padmé fait aux enfers pour sauver son mari vraiment en perdition à tous les niveaux dans les enfers, bah, était vouée à l'échec. Et c'était pas grave si on avait eu un boucle bouclé, et là, pour le coup, comprendre la postlogie épisode 3. Surtout que pour le coup, t'avais vraiment une belle boucle bouclée parce qu'on terminait sur on avait finissait l'épisode 3 de La Revanche des Sith sur cette une femme qui va aux enfers chercher son mari fiancé disparu, mort, hein, à ce moment-là, il est quasiment en état de mort, hein, en tout cas sur le plan de l'âme, hein, il est en perdition, dans une ambiance de rouge. Pour le coup, de l'autre côté du spectre, t'avais l'inverse qui était le garçon qui allait chercher sa fiancée qui était dans une mort physique et de l'âme, dans une ambiance bleue, tu vois, ça aurait pu être joli si tu veux. Mais... Bah lui, il arrive à la ramener, mais il peut pas rester avec elle. Ah bah oui, mais oui. Mais sauf que du coup, effectivement, le problème, c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'en conclusion, d'avoir un qui... Enfin, là, il y en avait un qui s'en sortait, mais pas vraiment. Parce qu'encore une fois, Anakin s'en sort pas. Hein. Bah vu ce qu'il c'est ce la mort qu'il d'Anakin, après, la transformation en Vador. Vaut mieux crever hein, que vivre une souffrance pareille. Bah, les deux sont morts, quoi. Et donc, à la fin, d'en avoir qu'un seul qui s'en sort, c'est pas une réussite, non. Sur le plan structurel, ah bah, c'est bancal, hein. Je pense que tout le monde l'a senti intuitivement, que cette fin était bancale, parce que les âmes sœurs restent ensemble. En enfer ou au paradis, ou pour vivre une longue vie heureuse sur Terre, mais elles sont indissociables, normalement, donc... Alors, on sait qu'ils sont toujours... ils ne font qu'un dans la force, mais la Miss, ça lui fait une belle jambe jusqu'à son dernier souffle, quoi. Avant de glisser sur la post-lo et peut-être les erreurs de lecture mythologique, on va rester sur la trilogie originelle, parce qu'il y a aussi deux catabases. Oui. Donc, dans le Retour du Jedi, parce que tu as la fille qui va chercher... donc, Leia qui doit aller chercher son fiancé, donc Han Solo, dans le repère de la bête divinité chthonienne qui est Jabba. Mm-hmm. Bon, alors, ça pourrait pas bien se solder, tu vois, dans l'exemple que tu donnais avant que ça se termine toujours bien. Ça aurait pu ne pas bien se solder si Luke n'était pas venu aider et donc du coup venait délivrer. Alors c'est pas sa chérie du coup, c'est sa sœur. Mm-hmm. Mais voilà, là aussi t'as une catabase. Lui aussi choisit de descendre pour aller chercher donc sa sœur et son beau-frère quoi du coup et sauver tout et le là, monde. Là ça fonctionne parce que t'as un déplacement en fait. Là ce sont deux personnages secondaires qui sont amoureux et donc ça pouvait tout à fait se solder par une victoire, surtout si le héros arrive dans un deuxième temps. Mais c'est leur histoire à eux à la base. Et lui, il arrive derrière pour
illustrer un acte héroïque. Donc en fait, c'est plusieurs choses qui se superposent et tu as un glissement de l'intérêt vers ce couple secondaire. Donc je pense pas que les règles ça, s'inscrivent exactement de la même manière que quand on est sur les, vraiment le héros, le personnage principal ou l'héroïne, lorsque c'est le cas. Et c'est pour ça que ça fonctionne, à mon avis. Bah, d'autant qu'en plus, il y avait il y avait un cocktail de mythes, puisque tu avais repercé dans l'histoire, parce que le fait d'avoir mis Leia enchaînée à la bête, voilà, et donc Luke qui vient la sauver, bon alors là, pas sa chérie, hein, encore une fois, parce que c'est sa sœur, mais visuellement, il y avait un peu de ça quand même. T'as un titan auquel on fait des sacrifices, t'as quand même le Sarlacc, qui pourrait être un kraken, mais sauf qu'il est dans une mer de sable au lieu d'être dans une mer d'eau. Bah, n'oublie pas le rancor avant, encore des rancors quand même. Oui. C'est vrai. Ça manquait de méduses avec des serpents sur la tête. C'est mon seul regret. Mais sinon... Tu en restais dans le cocktail. T'avais aussi Thésée dans ce moment-là. C'est-à-dire que quand il se fait jeter à la trappe, il y a un peu aussi du Minotaure. Oui. Hein. Et le fait que Jabba, il faut lui livrer de la viande fraîche. Hein, c'est-à-dire sous la forme de beau jeune homme ou de belle jeune femme. Alors bon, pas pour les bouffer, mais néanmoins, il y a des tribus quand même. Il a un tribu de... il faut lui délivrer des proies. Oui. Et d'ailleurs, le Minotaure... ça marchera très bien pour Kylo. On pourra refaire le lien avec Kylo le taureau tout à l'heure. Ah. Il y a plein de choses à en dire aussi. Ah. Il y a plein de choses à en dire. Et donc la deuxième catabase... Mon pauvre Ferdinand. Et j'imagine que la deuxième catabase que tu voulais mentionner, c'est quand Luke se rend à son père sur Endor et va sur l'étoile de la mort. C'est une autre. C'est la deuxième en fait. Puisque tu pourrais dire, il y a la première qui est Leia, après t'as Luke qui vient les sauver, et après t'as la troisième qui serait effectivement Luke qui essaye d'aller... enfin qui va sauver son père. C'est la troisième catabase, ouais, tout à fait. Il descend aux enfers... pour les enfers, enfin, en plus ça correspond au moi, au subconscient, tout ce qu'on appelle par exemple la descente vers la déesse, c'est ces phases-là aussi hein, qu'on peut associer. Et puis dans ces moments-là, tu vois par exemple pour la dernière catabase, moi je vois bien Aîné qui quitte Troie avec Anchise. Avec le vieil Anchise, tu sais, quand il soutient Vador, etc., il y a tout qui prend feu, il laisse tout, voilà. Mmh. Là, il est entré aux enfers pour sauver cet homme plus âgé. Bon, là, il se trouve que c'est son père. Et il va en ressortir dans les flammes, etc., en soutenant littéralement son père. Donc, il y a aussi un lien, je pense, avec la guerre de Troie dans l'épisode 6. Mmh. Et chose que j'avais pas casée non plus, c'est tout à l'heure, c'était l'enchevêtrement de chevaux de Troie dans l'épisode 6. Parce que finalement, chacun essaie de piéger, tu vois, le premier cheval de Troie, c'est l'empereur qui laisse sa navette, machin, avec des mots de passe pour attirer les résistants dans un piège, enfin les rebelles dans un piège. Premier cheval de Troie. Deuxième cheval de Troie, ce sont nos rebelles qui sont dans cette navette et qui essaient d'atteindre Andor, donc de s'insinuer dans le territoire par la traîtrise, hein, dans le territoire de l'Empire pour désamorcer le bouclier. Dernier cheval de Troie, c'est Luke qui est dans le cœur de son père et qui affronte l'empereur qui se croyait si malin, et finalement c'est cet amour pour Luke dans le cœur de Vador qui fait la différence. Donc à chaque fois t'as ces espèces d'avancées ennemies entre guillemets de façon sournoise. Le cheval de Troie, oui, tu penses au générateur là, quand ils font penser que un des marcheurs et devant le oui, le il y a générateur. Ça aussi, effectivement. Bah oui, exact. Et en faisant penser que... C'est bon, alors que dedans, ils sont cachés. les... Exactement. Et t'en as un autre au début, Jabba aussi. Les deux droïdes sont des chevaux oui, de Troie. Oui, c'est vrai. C'est les cadeaux. Il faut se méfier des Grecs et des cadeaux de Luke Skywalker. parce qu'effectivement, il les donne en cadeau, mais il a caché des armes, en fait, puisqu'il avait caché son sabre laser sur R2. Festival de chevaux de Troie dans l'épisode 6. Donc je trouve qu'il y avait quand même pas mal de références. Et ça se termine avec un Sir Taiki sur Andorre, donc ou l'ouzo coulé à flot. Ah bah pas l'ambroisie, on va pas la piquer aux dieux, c'est encore un coup avoir des emmerdes, donc on va se contenter de boire de l'ouzo et de la résiner, tu vois.
Si, en fait, il y avait une répétition avant de glisser sur l'apostolo. Il y avait une répétition de catabase dans l'Empire contre-attaque, parce qu'il y a une descente aux enfers de Luke quand il va sur Bespin, même si c'est la cité dans les nuages, quand il arrive dans l'endroit où la chambre de congélation, la chambre à carbonite, exactement. C'est un lieu infernal. Oui, la fumée, le très coquilleur. Clairement codé comme ça. Ouais. Alors il y va pas vraiment librement, c'est bien ça le problème, c'est que il y va de son plein gré, il y va trop tôt, pas préparé, et à moitié de son plein gré quand même, c'est-à-dire qu'il veut aller sauver ses amis, et il sait pas non plus trop ce qu'il va y faire, enfin, mais qu'il y avait une première quête à base en germe. Bah pour un héros, oui, là. Qui s'est pas bien non, terminé. Non, ça s'est pas bien terminé, bah il est allé un peu le dos au cul, hein, je pense qu'on peut le dire. Bah, c'est-à-dire que quand tu descends voir Hadès et que Hadès te dit « je suis ton père », ah, t'es très mal. Bon, bah écoute, je vais y laisser un bras, puis je reviendrai plus tard. J'ai besoin d'une bière, je te laisse. Hein. Ouf. Voilà, hold my beer et mon bras au passage. C'est un peu ça. Par rapport à Rélo à la postlogie, on avait déjà commencé à évoquer le fait, de par le biais de la catabase, comme tu disais, de se rendre spontanément, volontairement, dans un milieu hostile, un monde souterrain, etc., voire les enfers, pour sauver l'être aimé ou récupérer un élixir, une substance, un objet magique, voilà. Mais nous, dans les cas qu'on va voir, c'est surtout pour sauver l'être aimé. Il y a eu un télescopage, encore on parlait de cocktail avant, mais il y a eu un télescopage, c'est-à-dire que ça a commencé comme Héros et Psyché, et ça se termine en Orphée et Eurydice, mais même pas comme Orphée et Eurydice, c'est-à-dire que même là, c'est pas respecté, si tu veux. C'est incroyable ce qui s'est passé, c'est incroyable. On avait parlé des costumes évoquaient clairement le costume égyptien avec les bandelettes, etc., mais les drapés de Ray peuvent aussi faire penser à des drapés Des péplums, je sais. Oui, c'est vrai qu'Amour et Psyché, on vous a déjà parlé de La Belle et la Bête. Typiquement, Amour et Psyché, c'est le prototype de tous les contes, tous les mythes de type La Belle et la Bête. En fait, c'est, encore une fois, c'est l'héroïne, la fiancée, qui va à la recherche de son mari perdu, qui est souvent un mari monstrueux, contrefait ou maudit. Hello Kylo, je te vois, hein, avec la malédiction du sang des Skywalker et puis du côté obscur qui lui a été imposé. Et Rey, notre héroïne, qui doit aller l'en sortir, en fait. Donc ça correspondait à la Belle et la Bête, mais ça correspond aussi parfaitement à Amour et Cliché. Amour et Cliché, n'importe quoi. Amour et cliché, ça me va bien, tu peux complètement parler d'amour et cliché. Du moins jusqu'à l'épisode 9. Ça aurait dû, voilà. Ou Hadès et Perséphone dans sa version alternative, Villainous Crush. C'est ça, puisque finalement, Hadès et Perséphone, c'est... Alors lui, il n'est pas casé ni en recherche de la fiancée, recherche du fiancé. Il n'est pas dans la classification Arne, Thompson et Hutter. J'ai pas trouvé... C'est une classification de tous les contes, en fait, du folklore, etc., et de certains mythes. Oh bah, il la recherche pas, il l'a trouvé, il la prend sous le bras et puis voilà, fin de l'affaire. Et ça, ça vous rappellera bien quelque chose. C'est vrai. La fille de ma sœur dont j'ai tellement entendu parler. Je me la prends sous le bras dans la forêt avec mes quatre chevaux noirs en tête. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y avait ce plan. Mais est-ce qu'il a pensé ce plan, tu vois? Des fois, on se pose des questions. Alors, du coup, ils savent pas ce qu'ils font. Mais c'est vrai que visuellement, t'as Le chariot tiré par les quatre... navette et les quatre fighters. Ils se sont dit que ça ferait joli, où il y a quelqu'un qui est intelligent, qui travaille avec eux, va savoir, mais c'est vrai que la créature des enfers qui enlève la belle jeune fille dans une végétation luxuriante, oui, c'était carrément Hadès et Perséphone. Et puis qui l'amène dans le monde souterrain, en l'occurrence, la base de Starkiller, qui est minérale, froide, souterraine, dans tous les sens du terme. Elle est sur un lit ou assimilée, enfin bon... Et on la voyait avant en train de bouffer ce qui ressemblait vaguement à une grenade. À des fruits, etc. Oui, c'était un chou romanesco dans un fruit d'apéritif. Mais néanmoins, elle était quand même... Il y avait quand même ce plan qui n'était pas obligatoire, où tu la vois avec ce fruit à la... En tout, avec la corbeille des fruits de vin, je crois que quelqu'un avait compté, tu as 4 ou 5 plans où tu la vois bouffer des fruits. C'est la seule qu'on voit bouffer. C'était quand même bien. Et on ne voit pas souvent des gens qui bouffent. C'est pas subtil quand même.
Non, c'était pas subtil. C'était pas subtil. Mais là aussi, tu avais un télescopage qui était compliqué sur le plan mythologique parce que tu avais aussi la boîte de Pandore, là, avec le sabre. Le coffre qui était ouais. dans le... Exactement. Tu avais le sabre qui était dans... avec les visions et voilà, le fait qu'il faut vite refermer la boîte. Et on rappelle que dans le mythe de Pandore, quand elle ouvre la boîte et que tous les malheurs sortent de la boîte pour venir faire chier l'humanité tout entière, la vision qu'elle a où il se passe que des horreurs, hein, parce qu'à ce moment-là, au moment de la vision, elle voit que des choses monstrueuses, il n'y a rien de sympathique, donc que des émotions négatives, et elle referme rapidement la boîte, et on sait que dans la boîte, quand Pandore referme, la seule chose qui reste aux hommes, c'est l'espoir. Et quand t'es dans Star Wars et que tu parles de l'espoir, t'es là, mais punaise, quoi, comprends tes mythes un peu. Enfin, si tu peux pas donner une transposition littérale de l'histoire de Pandore, nous laisser entendre qu'il reste l'espoir dans la boîte, qui est le sabre, qui est le sabre de l'héritage, et donc le sabre que Kylo va dire et qui est moi, et que Ben s'appelle Ben comme l'espoir, parce que Ben est mon dernier espoir, et tu te dis, putain, mais... ah, les gars. Pourquoi vous avez baissé votre froc au dernier film, hein? Franchement, il fallait pas céder aux pressions. C'était mythique, littéralement mythique. Là. Fallait pas embaucher Chris Terrio pour l'écrire, celui-là. Et fallait pas regarder Twitter et Instagram et les insultes qui fusent et machin. Fallait faire votre truc, raconter votre histoire. Bah, du coup, les restes, ça devient vraiment... Alors, plus que... Mais on va revenir là-dessus. Plus que Perséphone, du coup, parce que... on la verra pas sur le trône. Ni des Sith, ni des Jedi. Son... Oh, ça aussi. Ah, voilà. Bon, voilà. Voilà, voilà une opportunité ratée, si tu veux, encore une. Et donc, ça devient celle qui, effectivement, qui a fucké l'humanité, quoi, parce qu'elle nous a pas laissé... Elles n'ont pas laissé un goût très sympathique, si tu veux, la raie, là. Pas vraiment, non, c'est vraiment... Et contrairement à Orphée, puisque c'est le glissement, parce que dans ce cadre-là, c'est elle qui est Orphée et lui qui est Eurydice, puisque c'est lui qui meurt et qui reste derrière. En même temps, c'est lui qui est allé la chercher, mais elle est allée le chercher avant. Alors, tu vois, c'est compliqué. L'épisode 9 nous fout tout en l'air, quoi. Ah, c'est un télescopage. Hein. Au moins, Orphée, bon, quand il sort sur son Eurydice, il est désespéré, se fait démembrer, mais sa tête reste attaché à sa lyre, suit le cours des fleuves et ses chants magiques continuent à enchanter les créatures et machin. Et ça m'a fait marrer, parce que bien qu'ils avaient pris un acteur avec une belle voix et tout, etc., tu disais en Orphée, ça peut le faire, ils ont choisi quoi pour la fin? Orphée, il peut pas piper mon... C'est quand même dingue, c'est qu'au moment où Kylo Ren devient Orphée, ce qu'il n'était pas parce qu'il était en Hadès, donc il devient Orphée à la fin, donc changement d'aiguillage, hein. Allez hop, on change de mythologie, change de boîte, tu pars sur une autre page. Et donc du coup il devient Orphée, mais un Orphée qui n'a plus de voix, plus d'expression. C'est dingue. Et puis comme tu le dis, qui parvient à sauver son Eurydice, mais à son détriment. Ouais, c'est n'importe quoi. Encore une fois, c'est n'importe quoi. D'avoir baïonné Ben Solo et de l'avoir buté, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Quiconque a lu des contes ou des livres sur la mythologie étant gosse va sentir intuitivement que ça ne fonctionne pas. Précisément parce qu'il y a un télescopage au niveau des mythes. Alors que Kylo, d'Hadès, se transforme en Orphée, c'est cohérent parce que comme il est sur un arc de rédemption, ça fonctionne tout à fait. De méchant, il devient héros, anti-héros, ou même héros. Il est vraiment présent de façon héroïque à partir du moment où il arrive sur Exegol avec sa bite et son blaster, quoi. C'est la même chose. Et après, il crève. Il ne participe pas au combat final contre la dernière Gorgone ou la dernière divinité octonienne. Il ne participe au dernier titan, voilà, contre Chronos. Il ne participe pas à ce combat où il aurait fallu qu'ils unissent leurs forces. Puisqu'encore une fois, c'est le titan qui a ruiné sa famille, qui a été une source de souffrance pour toute sa famille, qui a tout orchestré dans sa vie de merde depuis avant sa naissance. Et non, il participe pas au combat contre Palpatoche. Donc ça veut dire que lui n'obtient pas justice pour lui-même. Voilà, ça passe à la trappe. Et en plus, il pipe pas un mot. Il revient en héros et pipe pas un mot. Donc oui, Orphée qui chante pas, qui parle pas, c'est pas possible, quoi. Je sais pas s'il aurait fallu que de Hadès il glisse à Orphée. Ça pouvait vivre conjointement ces deux mythes qui étaient à la fois Héros et Psyché et Hadès et Perséphone. Parce que du coup, t'avais la version dark et t'avais la version conte de fées, on va dire, du coup. Et donc finalement, il aurait fallu qu'il glisse complètement en mode Héros et Psyché parce que les deux se faisaient écho, parce que lui, il pouvait partir sur « Moi, j'ai envie de vivre à
Hadès et Perséphone, mm-hmm. c'est-à-dire tous les deux nous allons régner. Et tu vois, d'avoir cette, pour le coup, d'avoir ce télescopage de ces deux mythes était intéressant. Parce que c'était une dyade, donc forcément, tu vois, c'était l'un ou l'autre. Donc soit ils partaient sur la version d'Arc qui était tous les deux nous allons régner aux enfers, donc le fameux trône qui voulait nous coller à la fin, et on aurait bien aimé avoir la vision, les voir tous les deux sur le trône, ce qu'on n'aura jamais, même en vision. Donc ça, c'était un choix. Ou alors, c'était l'autre choix qui était, eh ben, je suis l'amour blessé, tu vois, donc pour le coup, la victime avec Psyché. Alors, allez, qui chien Psyché hein. Je tiens à dire que je comprends qu'ils aient pas voulu complètement faire de règne Psyché, parce que elle a quand même besoin de beaucoup d'aide, elle fait quand même beaucoup de conneries. Bon, voilà. Il y a un côté un assistée, pas forcément génialissime. Elle est un peu assistée. Bon, mais tu peux la réécrire, parce qu'il y a plein de façons dont elle a été réécrite dans plein d'histoires depuis, dont de nombreux dramas qui font que tout à fait, elle peut partir secourir son amoureux à la fin. Et en plus, c'était d'autant plus intéressant de partir également sur Eros et Psyché que, oui, comme tu l'as dit, il y a le fait que c'est l'amour, le fiancé monstrueux. Mm-hmm. Et il l'est pas, puisque en fait, il est pas du tout monstrueux. Et on le sait très bien, c'est un beau jeune homme sous le casque, ils nous l'ont montré. Mais il se passe justement quelque chose quand elle le voit sous sa figure de beau jeune homme. Elle le brûle, il a une cicatrice, ouais. Il est marqué par elle. Et c'est exactement ce qu'on a à fin du set. Elle a fucké ce jeune homme, pas littéralement, mais cet homme qui était soi-disant monstrueux, mais qui ne l'était pas, elle l'a défiguré. Ouais. Elle l'a marqué dans sa chair. Et c'est ce qu'on a à la fin du set. Et donc, du coup, tu avais complètement, dès le set, dès l'écriture par J.J. Abrams, donc, dès le lancement de la postlogie et de Relo, je suis désolée de le dire, mais oui, lancement de Relo, et je suis même pas non, désolée parce de que le dire. C'est ce que l'histoire nous. C'est l'histoire qui nous est donnée. Exactement. Voilà, c'est l'histoire qui nous est donnée. T'avais ces deux devaient cohabiter et lequel allait finalement gagner. En sachant qu'Hadès et Perséphone ne sont pas considérés comme des divinités effrayantes. Hein. Il est gardien des enfers, mais c'est pas le dieu des enfers. C'est pas. Non. Il a un rôle qui est très difficile. Hein. Il s'est un peu fait niquer hein, de tous ses frères quand même. Hein. Puis il faut qu'il surveille que le Tartare reste fermé, que les créatures les plus dangereuses ne sortent pas, enfin, il a vraiment un rôle très très difficile, quoi. Et sa femme, Perséphone, il s'équilibre l'un l'autre, en fait. Et celle que t'as pas envie de chauffer aux enfers, c'est Perséphone. Pas envie qu'elle tombe sur le... Faut pas la chauffer, la déesse. Alors que lui, finalement, la présence de Perséphone le calme, le temporise, en fait. Donc c'est un couple qui est parfaitement équilibré. Et pour revenir sur Amour et Psyché, tu as même la nuit où Psyché, poussée par ses sœurs, qui sont mauvaises conseillères, hein, bien sûr, veut le démasquer, alors qu'il lui a dit « Non, faut pas que tu me vois mon visage, je suis monstrueux et tout. » Donc, elle le brûle avec sa lampe à huile, voilà. Et au moment où il va pour s'envoler, parce qu'il est horrifié qu'elle l'ait vu, etc., elle lui chope la cuisse droite. « Hello, la salle du trône !» Qui c'est qui a chopé la cuisse droite de Kylo? Bah, c'est Rey / Psyché, hein, bien sûr. Quand tu sais qu'elle finit avec des ailes de papillon en plus. Ah, elle a eu un bonus. Comment dire? Elle avait gagné des points d'XP, là, des ailes de papillon. Le papillon bleu, tu l'avais même à la fin, si tu veux. Et c'est là aussi que ça aurait été intéressant que Snoke soit une femme, parce que finalement, c'est la mère Eros qui en fait un personnage monstrueux. C'est pas le Cupidon, petit angelot tout mignon qui tire ses flèches, hein. Eros, dans la mythologie grecque, il fait flipper. Hein. Non, c'est l'angelot qui tire son cou, là, c'est un autre. Il a un côté monstrueux, effectivement. Et sa mère, alors, Vénus. Vénus, voilà. Ouais. Aphrodite. Mmh. C'est une bitch, mais une bitch, tu vois, de première. Et donc, ça aurait été bien que celle qui a finalement perverti Kylo et qui le tient au bout de la laisse, etc., et le pousse à pas rester avec Psyché où on a fait un monstre, bah, ça aurait été bien que ce soit une femme, que Snoke soit une femme, encore une fois. Ça aurait été très intéressant, je pense. Ouais, ça nous imagine, si on avait une Leia encore vivante, on aurait pu avoir un duel à la fin en mode replay dans Aliens, tu sais. Ne la touche pas, sale pute. J'ai un visuel de la mère Weasley dans le dernier Harry Potter. Pas ma fille, sale pute. Et elle explose, la mère Bellatrix, mais il y a un peu de ça aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai, personne n'aura jamais fait ça pour Kylo, c'est ça qui est moche. La seule qui a essayé de le protéger et de plaider sa cause, c'est Rey. C'est ouf, hein. Là, ils auraient pu partir en Amour et Psyché depuis le début, en fait. Bah, il l'a fait, Ryan, parce que du coup...
Il y a une quête à base aussi pour Rey dans le, dernier Jedi, quand elle va le chercher. Ah oui, puis pour bien te faire comprendre qu'elle va dans le monde des morts, elle est dans un cercueil quand même. Hein. Elle a... Tu la vois pas passer un fleuve, tu la vois pas passer le Styx, mais bon, tu sais que... Ah, c'est le Styx, hein, l'hyperespace. Ouais, quelque part, c'est le vide, hein, quelque part. Et elle arrive vraiment dans le monde souterrain, en plus avec ses tentures rouges et Snoke qui est là, qui est un alien hideux. Enfin, on est à nouveau face à une divinité chthonienne. Oui, c'est parce que c'est le dragon, hein. Oui, voilà. Snoke le serpent, Snoke, on l'a dit plusieurs fois, Snoke, où il est tout à fait en rouge et or, il est tout à fait valide en dragon. Ouais. Donc elle a fait cette quête à base, elle y est allée une première fois chercher son fiancé perdu dans les enfers, et lui, dans le 9, c'est lui qui va la chercher à Exegol, donc dans les enfers, et qui ressort du coin le plus profond des enfers pour la ramener à la vie, donc ça c'est très beau aussi, mais c'est juste qu'il aurait fallu qu'il reste avec nous après quoi. Bon, déjà au moins, si on reste avec Amour et Psyché, il a fait comme Amour à la fin du mythe, c'est qu'il a dit « fuck ma mère », donc là en l'occurrence « fuck Snoke », non pas « fuck Aphrodite ».« Je ne suis plus ton pantin, je vais être avec cette femme, donc tu me lâches, tu me laisses faire mes trucs ». Donc dans le cas de Snoke, ça a été plus radical puisqu'il l'a buté, et dans le cas d'Aphrodite, il a bien calmé sa mère, et finalement il est resté avec sa nana, quoi. Mais, ouais. On est embêté quand même à chaque fois par la manière dont ça s'est terminé. Ah ouais, bah, faut pas en sortir. Si j'avais dit qu'il fallait reparler de la quête à base aussi avec Ezra et Ahsoka, parce qu'il y en a une aussi dans Star Wars Rebelle, puisque c'est Ezra qui va chercher Ahsoka dans le monde entre les mondes. Ah oui, c'est vrai, il y en a encore une. Il y en a encore une, tout à fait. Et ça fait partie de son arc de héros, ouais. Mais là, tout le monde s'en sort aussi. C'est bien aussi. Bah après. Là, c'est bien fait. Là, ouais, là, c'était bien fait. Sinon, moi, après, pour Relo, bah, y a tout ce qui est l'image du taureau avec la culture minoenne, mais pas que. Parce que t'as quand même plein de récits qui peuvent coller avec les amours de Relo et Kylo comme le taureau. Déjà, si tu considères Kylo comme Jupiter incarné en taureau pour s'approcher d'Europe. Donc ça, ce serait une première incarnation du taureau. Pacifae, qui couche avec le taureau offert par Poséidon, donc cette reine de Minos qui obtient du coup un fils qui est le Minotaure. Et puis tout ce qui est la culture de la Crète, avec bah, forcément un culte du taureau extrêmement présent. Et on a quand même cette scène hallucinante où Rey saute par-dessus le taille de Kylo dans l'épisode 9, qui rappelle quand même les scènes qu'on a dans les peintures minoennes, que ce soit en Crète ou à Santorin, d'athlètes qui, dans des rites religieux, faisaient du jump au-dessus des taureaux. Ouais, ou des rites de fertilité aussi, c'était souvent lié à des rites. Oui, parce que ben, le taureau, par définition, c'est la force sexuelle, génésique, etc. C'est pas pour rien que c'est une des formes que prend Zeus pour posséder une mortelle, en fait. Hein. Ah ça, on tourne autour du taureau, ça c'est sûr. Mais à la fin, on le sacrifie, le taureau. Ah ben, il sortira jamais du labyrinthe, hein, c'est sûr, hein, à la fin. Il est resté, sa chemise et ses bottes sont restées dans le labyrinthe. Dans le monde souterrain d'Exegol, hein, c'est sûr. Oui, on avait vaguement évoqué Hercule, parce qu'il y avait un Disney qui regagne gentiment des lettres de noblesse, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il était pas, il n'avait pas super bien marché. Il y a des gens qui l'aimaient vraiment beaucoup, donc je pense qu'il est en train de reprendre un second souffle. Et donc, j'avais vu passer, je me souviens, sur Tumblr, il y avait un parallèle par Catalina Infanta qui a été fait entre eux. Alors, c'était avant, hein, évidemment, l'ascension de Skywalker, c'est dans l'âge doré post-dernier Jedi, où on essayait d'imaginer comment ça pouvait logiquement se terminer sur un plan narratif si on regardait les tropes et puis donc les références mythologiques. Et donc il y avait cette question, oui, effectivement, elle s'était intéressée au parallèle entre Relo et donc la relation entre Hercule et Mégara, en disant que elle voyait, Hercule c'était Rey du coup, et Mégara c'était Kylo. Et c'est vrai qu'il y avait de ça dans le fait que Mégara, qui était en fait hypersensible, machin, c'est justement par ses émotions, parce qu'elle aimait un garçon qu'elle s'était fait arnaquer par Hadès, qui en avait fait son esclave. Et il y a toute cette séquence où elle dit jamais je tomberai amoureuse, etc. Donc je ne serais pas séduit par le côté lumineux, je ne serais pas séduit par Rey qu'on a dans le set. Et évidemment, ça dure 2 secondes et demie. Et donc, Catalina Infanta essayait d'imaginer comment ça pouvait se terminer par la suite. Alors, on rappelle que donc, dans la version de Disney, Mégara se sacrifie pour Hercule. Et donc
que Hercule doit plonger, donc fait une catabase pour la récupérer, donc pour récupérer son cadavre, et donc là, à ce moment-là devient un héros, et donc la récupère et l'amène au ciel, puisqu'ils deviennent des demi-dieux, et ça se termine avec un happy end évident. Bon, alors, en sachant qu'encore une fois, dans la mythologie grecque, oui, on a dit comme on l'a dit avant, le happy end va pas durer très longtemps. L'entente cordiale non plus. Non, mais du coup, par rapport à des comparaisons avec Rélo, malheureusement, eh bien oui, nous avons un corps à aller chercher, mais il y en aura qu'un seul qui remontera, ouais. Voilà. Encore une fois, patatras à la fin du neuf. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors par contre, si tu veux repartir sur l'extra-diégétique, c'est intéressant si on peut rester par rapport à la mythologie grecque, c'est-à-dire on rappelle que les récits mythologiques ou le théâtre grec, avec leur fonction de catharsis, on l'a replacé aussi, ressort en grec, hein, le côté cathartique qui est que ben, toutes ces histoires épouvantables que nous adorons regarder, et nous régalons sur toutes les saloperies qui leur arrivent, parce que ben, tant mieux, ça ne nous est pas arrivé aujourd'hui, et il y a des grandes chances que toutes ces horreurs ne nous arrivent pas. Donc la purgation des passions, donc voilà, donc on les charge, hein, tous ces héros de nos problèmes. Il y a une libération de la parole, il y a une libération des souffrances face à un spectacle. Et donc en sachant que tous les remèdes sont également des poisons d'une certaine manière, ça peut te ramener donc cette fonction cathartique de Star Wars à ce qui peut se passer en extra-diégétique avec justement les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que dans le même temps où on est tous à en discuter, il y a une libération de parole, t'as aussi cette parole toxique, ouais, qui ressort aussi. Je veux pas revenir de plomb dessus parce qu'on a eu l'occasion d'en parler et puis c'est pas forcément le sujet, mais tu vois, le fait qu'on continue à en parler autant, et c'était ça la fonction de ces œuvres chez les Grecs et les Romains, c'était justement de pouvoir discuter d'un certain nombre de problèmes, de créer du lien entre les personnes autour de ces grandes fresques mythologiques. Et Star Wars le fait. Ah oui, complètement. Elle s'ancre dans cette tradition. On peut dire que les hymnes grecs et tous ces chants, parce que c'était des chants, c'était une tradition orale pendant très 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 longtemps. Les versions écrites sont arrivées vraiment tard. C'était les réseaux sociaux avant la lettre, en fait. Hein. T'avais les aèdes qui se baladaient, etc. Et puis, toute la communauté se réunissait autour de lui pour l'entendre déclamer ses chants. Donc, c'était des moments de cohésion sociale très très importants. Comme tu l'as dit, faire la catharsis d'un certain nombre de souffrances. C'est pas pour rien qu'on regarde des trucs tragiques, qu'on écoute des opéras tragiques, qu'on aime la musique triste, etc. Ou des musiques violentes, ou qu'on regarde des trucs violents, c'est que ça nous permet, nous aussi, de faire le ménage dans un certain nombre de pulsions, de sensations qui sont désagréables, qui peuvent nous pourrir la vie. Ça nous permet de faire du tri. Tu peux te demander s'il y avait les mêmes passions sur l'agora après un spectacle ou une lecture, tu vois, d'un aide avec ouais, ton chip, il est toxique, ou alors tu chip qui T'es pas un vrai fan d'Achille. C'est ça, Achille et Patroc, forcément qu'ils vont finir ensemble, hein. J'ai les chips à fond. Non, et tout, non, et tout. Tu dis de la merde. Ah non, moi c'est Hector et Achille. C'est les ennemis qui deviennent amants, qu'est-ce que c'est que ça? Puis c'est pas du slash, bon, quoique ça passait bien le slash, hein, chez les c'est Grecs. C'est ça, oui, les Grecs, ça les dérangeait pas nécessairement. Bon. Après, tu vois, t'avais les autres, ouais, je suis sûre que c'est Hélène qui a tout comploté avec les théories, machin, etc. Je sais pas, tu peux imaginer que c'était pareil. Je pense que en fait, ça devait donner lieu à des débats vraiment passionnés, comme tout ce qui était... Et puis comme il y avait de la transmission orale, est-ce qu'il y en avait, tu vois, qui faisaient les versions alternatives, après, qui sont pas venues jusqu'à nous, tu vois, mais qui disaient, ouais, ouais, dans cette version... Il y a déjà des variantes, va savoir. Comme quoi, tu vois, en dehors des spin-offs, ils avaient inventé ça aussi, les Grecs, t'avais déjà les versions alternatives. Bah ouais, parce que selon les sources, t'as pas forcément les mêmes fins, ou les épisodes se font pas dans le même ordre, ou d'un coup t'as une version où il y a le sphinx pour revenir à Oedipe, et puis d'un coup il y a pas de sphinx. Un coup l'explication de son nom c'est telle chose, l'autre coup c'est ouais parce qu'il avait des œdèmes aux pieds, en fait, hein, Oedipe, c'est qu'il avait les pieds enflés parce que quand il était tout bébé. Ils ont des problèmes avec les pieds, ouais, les Grecs, quand même, souvent. Entre Achille et son talon et machin et tout, enfin voilà, c'était une culture vivante, quoi. Donc je pense que... Toi, je me demande s'il y en a qui avaient eu le récit, tu sais, ils étaient là, oh, c'est trop bien, il a épousé la reine de Thèbes, c'est trop de la chance et tout, mais après t'étais l'épisode d'après, putain, c'est sa mère. J'avais rien vu venir.
Game of Thrones, tu vois. Oh putain, Daenerys, c'est sa tante. Oh merde, il a couché avec sa tante. Bah pour ça qu'écouter une version alternative, ou parce que c'était des, bah, si vous avez lu l'Iliade ou l'Odyssée ou les d'autres plein d'hymnes homériques qui rentrent pas dans ce cadre-là, c'est très 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 long. Ouais, et puis souvent oui, chiant quand même, faut le dire aussi. C'est quand même chiant. C'est pour ça les versions abrégées, c'est très bien. Si vous voulez avoir juste les grandes lignes de l'histoire, c'est largement suffisant. Puis on vous déconseille de pécho avec les adjectifs homériques. Hein, que... Et les généalogies tordues, oh, et machin. Les génies, c'est un truc mûche au pied des reins, les mets d'Artémis et tout. Enfin bon, bref, c'est chiant, à pas se mentir. Mais donc du coup, mais faut bien penser que c'était chanté, comme des bardes, c'était des trucs chantés. Et... Alors si c'était chanté façon opéra chinois, je suis pas sûre. Que c'était nécessairement mieux, tu vois. C'est incompréhensible. Parce que, c'est un genre spécial, quand même. Et puis même, tu vois, un truc dont on n'avait pas parlé, qui rattache aussi à la tradition grecque, c'est le port des masques, finalement. Parce que quand le théâtre grec se faisait masqué, donc le personnage avait effectivement chacun le masque. Et dans le design, par exemple, des casques mandaloriens, t'as vraiment très mal le côté du casque grec. Ah, Hein, spartiate, sa splendeur. Hein, exactement. Ouais, voilà. Ouais, c'est il y a cette tradition là aussi, hein. Ouais, c'est ils sont pas en jupette. Non, ils étaient pas en jupette, mais ça fait penser plus au no. Je te dirais que le no sans doute aujourd'hui est plus proche de ce qu'était le théâtre grec à l'époque. Et puis le bestiaire, c'est-à-dire que c'était quand même un univers avec un bestiaire, et certains parlaient, hein, tu vois, le centaure, il n'y en avait pas, mais pas, je veux dire, personne ne les avait rencontrés, mais je veux dire, les faunes, les machins, ça parlait. On acceptait le fait d'avoir ces aliens avant l'heure qu'on a dans Star Wars. Oui, hein, ou les créatures de la fantasy, qui avaient voix au chapitre. Du médiéval fantastique, ça passait complètement, ce bestiaire. Et ça choquait personne, non, si tu veux, dans leur récit. Ah, en conclusion, on pourrait dire que cette purgation des passions, malheureusement, c'est devenu la purge. Donc, voilà, c'est-à-dire, non seulement, c'est vrai qu'on va rester sur cette impression pas très plaisante de l'épisode 9, mais le fait qu'aujourd'hui, oui, sur l'Agora, ça se sent pas toujours très bon non plus. Ah, c'est la foire d'empoigne. Hein. soit Reddit ou Twitter ou machin, tu vois, il y a encore eu, en échange, parce que du coup c'est vrai que je suis l'ambassadrice d'Aurélie sur ces plateformes là puisque tu n'as pas ton compte Twitter, et c'est vrai que je t'envoyais encore les derniers débats, enfin les dernières chasses aux sorcières, puisqu'apparemment les rélos seraient subventionnés par DLF pour foutre la merde. Bon, alors nous on attend encore nos rien sous rien venir Aurélie, les donc, enfants alors quand ils veulent, alors moi je vais te dire, je serein, leur envoie mon serein, rime, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, non, c'est leur... si tu veux, c'est un peu comme la fin de WandaVision, si tu veux, nous on est les Agatha Harkness, et, c'était nous tout le temps. Depuis le début, on a tout planifié. Mais alors je vais te dire, si on a tout planifié, punaise. On est fortiche, hein, à l'échelle planétaire, sans se connaître, machin et tout. Pas seulement ça, mais je te dirais qu'en plus, on est... je te mets au défi de me trouver une rélo qui est absolument 100% contente de... Bah non, toutes les rélos, le sentiment de s'être fait niquer, hein, je suppose. Non, mais il y en a peut-être, je veux pas préjuger, peut-être que certaines, pas déçues. Ah, j'en ai pas croisé en ligne. Peut-être s'imaginaient, avaient un scénario catastrophe en tête, je veux dire, c'était une possibilité. Non, mais après une tout, fin mais... tragique, ça peut être bien quand c'est bien fait. Si c'est satisfaisant, ça passe, c'est toujours mes problèmes. Mais là, c'était tragique, en voulant nous faire passer ça pour une comédie, une fin heureuse, alors là, lol, et bonjour la dissonance cognitive, et en plus... C'est pas satisfaisant parce que ça ne correspond pas aux choix qui ont été faits précédemment dans une saga familiale. Donc non, ça marche pas. Non, mais bon, on finit bien avec nos Atrides, hein, parce qu'on termine sur l'infanticide des sabres laser enterrés dans le désert de Tatooine. Et puis c'est bon. C'est une catastrophe. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu un regain d'agressivité là sur les réseaux sociaux. C'est cyclique. Ah, oh bah ça s'arrêtera jamais. Hein. C'est pour ça que de temps en temps, on nous dit que le contexte est apaisé autour de Star Wars. Personnellement, je n'y crois pas. Je ne vois pas comment ça peut s'apaiser. Et même si ça s'apaise peut-être vaguement, on va dire, entre deux séries où on aura dans une accalmie où on n'a pas de nouvelles nourritures. Mais tu vois, même là, c'est reparti alors qu'il n'y a rien de récent qui ait pu justifier. L'agressivité. Bon, quand ils vont commencer à nous ressortir leur flopée de séries, ça risque d'être encore compliqué. Je pense que la foire d'empoigne va reprendre de plus belle. Hein, la foire oignon.
encore tirer tous azimuts. Hein. Donc la guerre de Troie n'aura pas lieu, enfin elle a eu lieu quand même, mais la guerre de Star Wars n'est pas prête de se terminer. Non. Et on vous laisse méditer là-dessus, on finit en bonne tragédie grecque, hein, on se fait le cœur le cœur de conclusion en disant méditez bien sur la fin, la mort, les trucs tristes, enfin voilà, bienvenue chez les Grecs. Je vais vous chanter la mort de Ben Solo. Allez, je vais aller boire un verre, moi. Pour fêter ça. Eh ben oui, bah, comme d'habitude, voilà, voir Star Wars et mourir. Donc... Ou boire, c'est une autre possibilité. Ah ben, un choubacus. Donc, on vous invite à nous... voilà, tiens, revenons vers des choses plus gaies. Alors, terminons en espérant pouvoir organiser des choubacales, peut-être un jour en France. Sûrement à QC, il doit y avoir des choubacales. Oh, ça peut se faire, ouais. On sait que ça lève le coude à QC. Voilà, donc on le jour pas où que on pourra le faire en présentiel. Exactement. Ben, on va peut-être les encourager, peut-être à lancer leur propre choubacale en parallèle de... Et vous encourager, bah, comme d'habitude, à nous laisser des commentaires, à nous dire peut-être quelle mythologie ou quels aspects mythologiques vous aimeriez nous voir traiter autour de Star Wars. Après tout, on a des idées, mais c'est pas la question. Mais peut-être que vous avez des préférences. Ça peut être intéressant de voir s'il y a quelque chose que vous voulez absolument voir traiter sur la chaîne. On creusera, on fouinera, comme d'habitude. Et on vous dit à très bientôt.